Alors, des exercices sur lire et écrire les nombres jusqu'à 99. Donc, on sait à présent que le nombre qui vient juste après 89 se nomme 90. Ici, on a donc 89 billes. Si on rajoute une bille, on en a 90. 80 plus 10 égale 90. Premier exercice, il faut compléter ce tableau. Ensuite, on trace à main levée la frise ci-dessous. Exercice numéro 2, on écrit le nombre qui vient juste avant et celui qui vient juste après. On a découpé des petits bouts de fil numérique, à vous de les compléter. Numéro 3, on cherche le plus grand nombre qu'on peut écrire avec ces trois étiquettes. Pour s'aider, on peut réécrire ces étiquettes sur des petits bouts de papier et faire des essais, voir tous les nombres qu'on peut écrire et choisir quel est le plus grand. Exercice numéro 4, 80 plus 3 égale 83. Donc à vous à chaque fois de faire les petits calculs. Dernier exercice, on complète la file 0, 10, 20. À vous de compléter. Les autres exercices. Alors, pareil, des additions comme on vient de faire, avec quelques petits pièges, donc soit avec des additions de dizaines, soit on rajoute des unités. Exercice 2, même exercice que précédemment. On écrit le plus grand des nombres qu'on peut écrire avec les étiquettes. Pareil, on peut réécrire ces étiquettes sur des petits bouts de papier afin de pouvoir les manipuler et de trouver quel est le plus grand. Ensuite, ici, il faut compléter la file numérique. Des calculs qui peuvent être voilà, un petit peu difficiles pour certains enfants, mais ce n'est pas grave, on essaye. Quelques petits pièges, bien à faire attention. Écrire en chiffres les nombres. Et la même chose avec une petite difficulté supplémentaire pour les enfants qui sont bien à l'aise avec cet exercice. Donc la deuxième partie de la feuille est un petit peu plus difficile. Donc, si on y arrive, c'est très bien. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Pas besoin de s'alarmer. On essaye, c'est le principal. Et enfin, une dernière feuille qui récapitule tous les nombres de 90 à 99, avec dans la première colonne le nombre en chiffres, dans la deuxième colonne la décomposition avec le 80, décomposition avec le 90, et les dizaines, les unités.